De retour à mon let's play de Final Fantasy VII. Aujourd'hui, on était rendu au Mokorel. Fichtre! Hey! Tu es en train de me parler, tu sais? Qu'est-ce que c'est? Je viens de croiser un type là-bas qui portait un manteau noir. Je voulais simplement lui dire que c'était dangereux là-bas. Il est passé sans rien dire. C'est Sirot. Flûte! Oh. Oh. On continue de monter à la prochaine place qu'on va aller. Bon, on laisse aller le combo parce que juste pour vous montrer que c'est plus facile de l'emporter avec la glace. Mais bon, effectivement, il y a juste de ça que les ennemis attaquent tout en premier. Il y a une affaire là-dessus. Mais au moins, ils attaquent les bons personnages. Juste monter leur limite. Vous êtes sûr d'avoir une shot de bébé bleu parce que sinon ça va frapper de zéro selon les types d'attaques que vous allez faire. On a pris une super potion. On arrive à un réacteur. À partir de maintenant, essayez d'avoir 30 000 piastres dans vos poches. Parce que vous allez avoir à payer une passe pour rentrer une place à vie. Dans le jeu, qu'on va aller plusieurs fois durant tout le long du jeu, on va avoir 30 000 piastres. Mais si vous voulez pas payer, ben, vous allez payer 3 000 piastres à toutes les fois que vous allez rentrer là. Donc, c'est ça que je vous conseille de rembourser de l'argent ici. Là, je vais monter de level ici avec Yuffie. Ça donne quand même 500 piastres par combo. Fait que ça vaut la peine. Peser sur rien, ça. Je dois peser le plus possible hein, sur ce set. À gauche. Pour aller chercher l'item qui est à gauche. Après ça, ça va être à droite. Qui va être le bâton magicien. Pour Iris. Ici, tu vas voir. Mitrailleuse W. Pas vite. Double. On a mieux avoir la possibilité d'avoir 4 matériaux. Là, on va peser à droite. Pour avoir le deuxième item. Oh yeah! Qui va être... Le pendentif étoilé qu'on a déjà. Là, il sait qu'on en aura d'autres. On était en turbo. Ici, on peut payer parce qu'il n'y a rien à aller chercher là. Ici, on a le matériel de transformation. On se fout. Mais je vais vous le montrer pareil. On va aller par en haut en premier. Je
C'est quand même une bonne place pour se ramasser du cash pareil. 500$ à toutes les fois, c'est pas tant long. On va se ramasser 30 000$. Bon, c'est ça, j'ai dépensé avant ça. Sans compter. Ok, quand on arrive ici. Vas-y, Claude, vas-y. Oh, ça sent vraiment. Allez, toi ici. Allez, Claude, ne te laisse pas t'atteindre. Voyons voir. Voilà, c'est ça. Si je tourne ceci, peut-être. Vas-y. Ça va baisser le pont. Si on vient ici, on peut entendre des oiseaux. Est-ce qu'il y a un lit ici? Oh! Yo! Que bien! Prendre le bijou. Là, ça va nous donner. Tu vas ramener un combo. Guili guili! Il est bon le mec! On va laisser aller puis ça fait partie du moment. Let's do it. Mais ça va. Disque de Phoenix. Ça vaut quand même la peine. Il finit la fantaisie que c'est extrêmement, ça vaut extrêmement cher. On peut passer à Final Fantasy 3. On peut pas en avoir n'importe comment. Il faut pas les gaspiller. Ah, en plus, on obtient des super potions. Une bonne place pour se monter le level un peu. En tout cas, tu caches un peu. C'est sûr que je prenne au moins un autre combo. Bon. Ah, ce qui est plate, c'est que j'ai plus de AP avec. De MP avec. Barrette. Pour pouvoir faire classe 2. Avant de continuer, on va descendre ici. Bon, il va falloir que je me guérisse. Très important. Une source de pouvoir, très important. C'est autre chose. Avec un autre. Ah. Kiss my peace, non? Il est allé dans une mine, pensais-tu que ça allait durer indéfiniment? On donne tout ça à l'autre. C'est lui le meilleur. Oh yeah. Oh, c'est ça qui m'a pas été complexe. On
pointe toujours deux combats en moyenne de 7. Donc là, on arrive à Lord Corel. Vois-tu? Hey, il est de retour! Je ne pensais plus jamais te revoir. Ces gens-là, ils sont avec toi? Eh bien, j'ai pitié d'eux. On dirait qu'ils avancent comme des condamnés à mort, Paul. Tu vois beaucoup d'imbéciles revenir par ici. Regarde cet endroit, c'est entièrement de ta faute si Corel Nord est devenu un tas d'ordures. Pourquoi tu me dis rien? Tu as peut-être oublié ce que tu as déjà fait ici? N'en vaut même pas la peine. Ne perds pas ton temps à parler à cette machine bizarre. Tu les as entendus et dis que c'est de ma faute si cette ville est détruite. Putain de merde. Toi, tu sais qui a mis Corel Nord dans cet état? C'est qu'on arrive ici. Je veux laisser cette ville derrière moi. Elle n'est plus qu'un tas d'ordures. Je veux qu'on commence une nouvelle vie. Si j'avais un Jeep, je traverserais le désert du Sud et j'irais dans cette ville de l'autre côté de la rivière. Tout le monde sait que cette élection n'aurait pas pu être évitée. Personne ne sera satisfait qu'on n'aura pas nommé un responsable. Quelque chose brillait au fond du puits là-bas. Si je peux mettre la main dessus, je vais la vendre et aller au gros sol. Caché comme ça. C'est moins pire que te servir de saga, que c'est carrément n'importe où. Il est impossible de le savoir. Ok, c'est là qu'on va aller prochainement.
de Final Fantasy. Comme ambiance, hein. Avec une bonne petite musique en arrière de ça. C'est quelque chose de caché dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma ville natale était par ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y est plus. Elle a été ensevelie, paraît-il, en 4 ans. Mais comment ces gens ont-ils pu faire ces choses horribles? Et c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ville natale, Corel, a toujours été une ville minière. On y exploitait le charbon. C'est une ville poussiéreuse, calme, si bon. C'est une vraie petite ville. C'est la première fois que j'entends parler du directeur Mako depuis cette époque. Que vas-tu faire de ça qui se compte ses dés? Je suis vraiment contre, c'est comme ça. Je n'ai rien à te dire si tu penses à gaspiller notre charbon. Notre charbon a été protégé pendant des générations. Nos pères et nos grands-pères avant eux ont risqué leur vie pour lui. Nous n'avons pas le droit de le gaspiller si facilement. Mais écoute, Dave. De nos jours, plus personne n'utilise le charbon. C'est-tu pas assez? Il n'y en a que pour Mako maintenant. Ça ira, Dave. Shinra Inc. t'assurera ton gagne-pain jusqu'à ce que le recteur Mako soit terminé. Écoute, Dave. Je ne veux pas que ma femme, Nina, souffre davantage. Je sais que ce que tu ressens, mais mon Dieu, je ressens la même chose. Et malgré tout, je refuse d'abandonner les mines de charbon. Chef du village, Dave, il faut que tu comprennes. C'est comme ça que le recteur Corel a été construit et terminé. Donc là, c'est plus rien passé par là, croisons. Sont faites avoir. Que c'était écrit dans le ciel. Quand ça s'est produit, Dane et moi avions quitté la ville quelques jours. Corel a été brûlé par les troupes de la Chine. Hein? Tous les habitants de la ville, toute ma famille, tout le monde, tout. De Shinra, pourquoi? Il y a eu une explosion au niveau d'un recteur. Shinra a attribué la responsabilité de l'accident au peuple. Il a dit qu'il était le fait d'une faction rebelle. C'est vraiment terrible d'être rebelle pour du charbon. Tu n'es pour rien. Nous avons tous été leurrés par les promesses que Shinra avait faites à l'autre. C'est pour ça que j'ai autant la haine. Non seulement ils ont profité de moi, mais en plus j'ai perdu ma femme.
Et vous tous, vous voulez aller au Gojosa, dépêchez-vous. C'est chose faite. Fait que la prochaine fois, on va voir de quoi a l'air Go Saucer. Fait que merci de m'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.